Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'immense plaisir pour une nouvelle vidéo ouverture de colis et une ouverture de colis assez spéciale, donc si la suite t'intéresse, continue. Alors je tiens juste à m'expliquer par rapport à ma tenue et au fait que tu vois la même apparence, c'est juste que j'avais tellement de retard au niveau de mes vidéos que je filme beaucoup d'affilée et donc ce qui fait que tu vas avoir plusieurs fois cette apparence parce que je filme une tonne de vidéos à la suite et ce sont celles qui me manquaient pour la fin du mois de décembre. Pour ce qui est du colis, le voici. On est sur une boîte de Madeleine bijoux quand même. Hein. Le colis, il y a deux choses. Un, une commande Vinted, plus comme avec l'abonné en question, on devait se faire un échange de un manga pour Noël. Elle a glissé dedans, je lui ai dit, écoute, je t'achète là, des trucs, profites-en pour les mettre tout simplement, enfin de mettre ton manga dans le colis, comme ça t'as pas à payer le port. Voilà, tranquille, hein, tu vois le truc tranquille. Voilà. Et toujours est-il, donc on va ouvrir tout ça. La première partie, les Funko Pop, mon achat Vinted ne correspond pas à cette chaîne et je m'en excuse d'avance. Donc ce que je ferai, c'est juste, je vais te montrer ce que j'ai acheté, mais le reste, ça ira sur notre chaîne, je pense, sur eBay World. J'avais prédécoupé, mais je n'avais pas tout ouvert. Parce que je suis pas douée, voilà. Alors oui, au passage, j'ai décidé d'arrêter la chaîne Les Collections et de la mettre sur eBay World. Tout simplement parce que eBay World veut dire le monde d'eBay et que mon monde à moi, il est rempli de plein de choses et il est rempli aussi de collections. Et que ça me saoulait énormément, en fait, de devoir avoir la chaîne en plus, Les Collections, sachant que j'avais aussi la chaîne Hentai, etc. Donc j'ai tout fusionné et c'est chose faite. Alors, voilà à quoi ça ressemble du coup au niveau côté envoi et du colis. Et moi, je crois que j'ai ouvert en plus par le fond. Hop, hop. Et comme tu as pu le voir, je suppose, ce sont donc trois Funko Pop, enfin des Mystery Mini de Frozen que j'ai acheté. Voilà, donc ça, je ferai une ouverture sur la chaîne eBay World prochainement. Voilà. Et après, il y a le quota de chance. Donc là, donc voilà, je lui avais pris trois boîtes et voici la troisième boîte. Donc ça, comme je te l'ai dit, je ferai la vidéo sur la chaîne eBay World. Je le fais assez rapidement. Je te mets même peut-être même en commentaire épinglé ou en dans la barre d'infos la date à peu près de sortie de la vidéo. Mais voilà. Alors ensuite, on a une petite carte. Non, pas petite carte, mot. Avec, tu sais, le papier qui dit l'adresse à l'intérieur, plus le petit mot. Elle m'a mis un petit mot, quoi. Alors, il y a marqué « Merci pour ton achat, joyeux Noël, Anaïs ». Et donc, le voici, le petit mot. Hop, ouais, on voit. Tada. Et comme ça, tu peux même profiter de mes faux ongles Primark, que moi, perso, j'adore. Voilà. Et voici le fameux manga. Donc voilà, en ce qui concerne le manga, on va ouvrir ça tout de suite. Alors j'ai pas vu, il y avait marqué bonne fête de fin d'année, c'est trop mignon. En plus j'adore la façon dont elle fait ses flocons de neige, je sais pas faire ça moi. Ça a l'air simple en fait. Mais bon, des fois c'est les choses les plus simples que tu sais pas faire et les choses compliquées que tu sais faire. Ah! Tu sais quand t'as le scotch qui veut pas se décoller. Alors j'ai dû faire ultra attention pendant tout le mois de décembre quand j'ai acheté mes mangas de ne pas acheter certains titres qui étaient dans la liste. Parce qu'en fait, elle m'a fait une liste de 30 titres et j'avais dû lui dire ce qui pouvait m'intéresser ou pas, etc. Et j'ai dû du coup patienter et bleu. Ah oui, effectivement, je lui avais mis que ça pouvait éventuellement m'intéresser. C'est de Komiku, c'est A Safe New World. C'était un manga, oui, effectivement, que j'avais mis, qui m'intéressait. Et j'avais complètement zappé, je l'avais mis dans ma wishlist, dans cette liste. Oh, je suis trop contente parce qu'en plus, en ce moment, j'avais envie de le lire. Récemment, j'ai failli me l'acheter. Il y avait un autre manga aussi qui était dans notre liste par rapport à ce swap. Et j'avais trop peur de l'acheter. D'ailleurs, je l'ai pris dans mes mains et puis après, finalement, je l'ai reposé parce que je me suis dit... Si jamais, parce que j'avais oublié sur le coup quand j'ai voulu le prendre. Et après, je me suis dit, t'as un swap de prévu, repose.
En plus, t'as vu, là, ça, on voit quand même celle qui revend par exemple des trucs et tout sur Vinted parce que c'est bien protégé et tout. Et voilà, SF A New World de Komiku. La qualité de dessin est trop belle. Alors, j'essaye de. Oh! Le petit papy là, il est mignon. Enfin, mignon. Non, ça... Tu m'as compris quoi. Et ben voilà. Une très très belle lecture en perspective. Ouh, les scènes de combat aussi qui sont pas mal. Je vais montrer celle-là où on la voit en armure. Quand je disais les scènes de combat, j'essayais de te la remontrer, la page que j'ai vue quand même. Ouais, c'était celle-là qui avait l'air plutôt sympa. Voilà. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'hésite pas donc à aller voir, cliquer sur ma tête de panda pour s'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, les deux vidéos que je te mets en recommandation. Et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Et bye bye!